Ou sous Télépacifique, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, mes journal créoles là, mes titres cap fait, essentiel d'actualité à Premier ministre Ariel Henry déclaré une fois encore, livré pas semaine en constitution 1987 là, avant pour ta gain élection dans pays. Pour messieurs Henry, c'est pas moment pour gain bataille, pour contrôler transition, mais pour gain unité pour capable renouveler personnel, politique, pays. Divers militants politiques déclarent les nécessaires pour bataille pour faire respecter constitution, continuer dans l'idée pour capable gagner l'État qui chita sous la loi dans le pays. La police touye 3 individus 29 mars là, non capital dans Boukante Koudzam, détombé entre Chariron et Oswald Durand, l'autre la sous route à Ariopoa. Et puis l'autre Bordeaux aux États-Unis, président Joe Biden signe un premier loi fédéral qui interdit lynchage comme quoi exécution moun sous territoire. Il y a plus passé un siècle depuis une bataille cap mené dans sans ça. Madame Messieurs, si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, messieurs, nous retournons chez Ndabdou Nantitio. Premier ministre Ariel Henry déclaré une fois encore, livré passé mène en constitution 1987 là, avant pour ta gain élection dans le pays. Dans un message 29 mars, dans un souhait, acte nation, Premier ministre Landil déjà consulté divers secteurs dans sans ça et au tout semblé d'accord avec Demassa. Cependant, Ariel Henry dit c'est tout le monde qui concerne yo qui doit participer dans le travail pour passer mène en constitution sans yo pas moyen acquis démocratique yo. Ariel Henry dit reconnaître 35 ans depuis constitution exister, dirigeant yo pas jamais travail pour entrer principe démocratique yo dans qu'il s'y peuple haïtien. Ariel Henry. Quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, j'ai consulté beaucoup de secteurs et d'acteurs de la vie nationale sur l'opportunité de remanier notre charte fondamentale avant l'organisation des prochaines élections. Cette question m'a semblé faire l'unanimité, moyennant bien sûr qu'il y ait une implication de tous dans le choix des modifications à introduire. Il ne s'agira pas de revenir sur nos acquis démocratiques obtenus de haute lutte, mais seulement d'apporter les correctifs nécessaires pour un fonctionnement harmonieux et efficace des pouvoirs publics au service des citoyens. 35 ans, c'est plus qu'une génération. Plus de la moitié de notre population n'était pas encore née le jour où des files interminables de citoyens endimanchés ont patienté des heures pour pouvoir voter en faveur de leurs droits fondamentaux. Malheureusement, force est de constater nous n'avons pas su mettre cette période à profit pour consolider nos institutions et ancrer la démocratie et le respect de la règle de droit dans notre culture et dans nos pratiques. De l'autre côté, Ariel Henry fait connaître, c'est pas moment pour une bataille pour contrôler transition. C'est pour tout le monde qui dit aux démocrates, ils ont fait unité à clé pour capable organiser élection pour renouveler personnel politique pays. Chef gouvernement mandé tout le monde mettre tête ensemble dans l'idée pour créer un environnement qui capable permettre citoyens à choisir représentants dans élection. Jean Constitution 1987 là mandé ça. Ariel Henry. En ce 29 mars, nous devons hélas que toutes nos institutions sont dysfonctionnelles. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui se disent démocrates de s'unir et de lutter pour que dans les meilleurs délais, nous revenions à un fonctionnement normal de nos institutions. Le temps n'est plus aux querelles pour le contrôle de la période intérimaire. Notre devoir à tous est de soutenir ceux qui assument la responsabilité de la gestion des affaires du pays, de créer un environnement sûr et stable en vue de permettre au peuple haïtien d'exercer son droit inaliénable de choisir librement les femmes et les hommes auxquels il veut confier la direction du pays. Ariel Henry t'est parlé tout sous crise sécurité pays a fait face côté le digue moyen y a bail police pour le café travail li premier ministre qui condamné destruction si avion dans moment manifestation 29 mars au Kaela contre insécurité a pas dit rien qu'a fait concrètement pour mettre un bout dans zak insécurité yo particulièrement dans zak kidnapping qu'a fait presque chaque jour divers côtés dans capitale là ak sous côté lio principalement dans manifestation au Kaela gen des moun qui mouri youn ak bal l'autre là tout fait après elle finit respirer gaz lacrymogène la police te baille pour t'écraser manifestation en côté encore Ariel Henry. Plusieurs de nos concitoyens ont voulu faire entendre leur voix pour protester contre l'insécurité et le kidnapping.
Je veux dire aux uns aux autres que le gouvernement les comprend, des agents de l'administration et leurs proches, eux aussi touchés. Cette question demeure une préoccupation pour nous tous. Je ne veux pas faire des annonces ni indiquer des dates. Je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est possible pour doter la police nationale d'Haïti d'équipements appropriés, moyens adéquats et pour lui fournir la formation indispensable en vue de continuer dans la capitale et dans le reste du pays les mêmes opérations que nos policiers ont engagées dans la zone de la Croix des Bouquets. Et puis la police touillait 3 individus 29 mars là, dans la capitale là, dans Boukanté, Koudzam, des tombés entre Richard Héron et Oswald Durand, l'autre là sur route Ariopoa. Premier ministre Ariel Henry présidait 28 mars là, une réunion spéciale, Conseil supérieur police nationale la CSPN. Après initiative ça, chef gouvernement décide de créer un espace côté représentant société civile là, autorité yo capable de rencontrer pour partager information sous façon pour mettre sécurité non pays. D'après ça, primati fait qu'on est si un tes pétition 26 mars là t'es participé non réunion ça sous crise sécurité ya. D'après responsable primati ya, rencontre là t'es bien passé représentant plus passé 20 organisations non société civile là t'es signé un document. Yo voyé bay Premier ministre lan pou mande le décréter état d'urgence non quatre bataille contre insécurité a. Organisation sa yo fayon ensemble recommandation qui gen 11 points pou mette spécialement sécurité dans pays a pour empêcher peuple la en colère côté capable saccager toute sa joine nan moment ça. Militant Céliscar Jean-Élisée critiquait tout dirigeant qui passait sous pouvoir yo à cause yo pas respecter et puis faire respecter constitution 1987 là nos activités pour te marquer 35 l'année depuis existence constitution activiste là déclaré comportement autorité yo qui pas suspendre violer constitution pas permettre à qui démocratique yo servi pour faire pays avancer en écouter le micro mot de légende 29 mars 2022 c'est une date qui symbolisait une rupture avec une forme de gouvernement qui t'a masculiné pour le peuple haïtien. Ok, nous d'accord, nous chambardons. Mais je dis à 35 ans après, qui s'en a félicité tête nous, à part de liberté la parole là, qui plus ou moins, côté que je dis à, on monde qui a décidé de faire un poste sur internet, qui a décidé de faire une intervention dans la presse, il n'y a pas marché derrière à l'arrêter. À part de ça, que nous-mêmes, au niveau de l'Université d'Haïti, nous inclinons devant un pile citoyen qui allait pour batailler ça. Nous reconnaissons ça. Mais 35 ans après, côté ensemble de besoins sociaux qui constituent la démocratie, nous ne pas gagner. Je dis, nous avons un élément fondamental qui constitue la souveraineté de la société, qui c'est la sécurité. Nous pas arriver qu'à constituer force de sécurité pour nous permettre que la population circule libre. Donc je dis, au niveau chemin de l'Université d'Haïti, oui, nous comprenons la nécessité pour nous sonner l'ambiance dans tête monde qui est responsable pour prendre une décision pour permettre que nous circuler libre. Mais côté l'autre facette de démocratie, je dis, toute facette, ça, il y a pilonné en papier. Donc dans ce sens, nous-mêmes, au niveau chemin de l'Université d'Haïti, et ensemble, notre structure, Haïti Malheuse, Canada, et Gallup Sénat qui est à l'étranger, donc des mondes qui travaillent ensemble avec nous, nous devons une nécessité. Pour nous faire la communauté internationale et la communauté nationale, on est 35 ans après, l'importe pour nous mettre toute bagaille chita, mettre toute bagaille de côté, pour nous aider diverses institutions qui étaient là. Bon côté pas l'activiste Evanson Jean Alpoudi rencontre sous anniversaire constitution. L'idée l'espérer bataille là à bras poursuivre, non l'idée pour capable gagner l'État qui chita sous droit en Haïti. En écoutez toujours nos micros, mot de légende. Donc, je dis, nous-mêmes, jeunes femmes, jeunes garçons, qui vivent des moments difficiles en tant que société, nous estimons qu'il faut que nous évaluions 35 ans de la parole de constitution. Je dis, même ensemble, dirigeants qui ont invité les gens à venir dans la rue, invité les peuples haïtiens à venir dans la rue, nous avons démarqué nous dans des pratiques traditionnelles. Ça veut dire quoi? Je dis, nous tous connaissons et nous voyons dans les yeux. Nous. Il y a un pile de monde qui a évité la population de venir dans la rue, venir manifester là. C'est même les gens qui contribuent à mettre Haïti dans la salle là. Qui ça me dit? En par exemple, le Parlement haïtien. Nous tous connaissons qui rôle le parlementaire gagne, sous des députés ou bien sénateurs, une mission pour la légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Nous passons sans savoir que nous-mêmes, les journalistes, et que tout ce qui a parlé côté gagne des sénateurs, des députés, qui n'ont pas joué le rôle comme ça dans le Parlement. Donc, vous attendez dans l'agent Petro-Caribé. Vous attendez dans le ministère, un grand ensemble de projets, grand comme
yo pas mission yo gagne hein yo pas fait li m'entendez kounya sénateur député c'est agent de développement dans les comme pour faire route comme pour faire pont comme pour construire l'école nous tout connaît là l'on parle de ça agent de développement c'est rôle collectivité a c'est rôle délégué de ville yo magistrat etc. Donc dans ce sens ça nous dit faut que nous évaluer ça qui a passé dans la société là. Donc nous pas des monde qui mène les pays dans salé là dans maras nous y là. Je dis hein pour nous d'accord c'est même monde encore qui mande des monde sortir dans la rue à manifester. Pour qui ça peut-être? Peut-être c'est des monde qui ont des postes ministériels de viser là. Et puis l'autre bout de l'eau, madame, messieurs, aux États-Unis, président Joe Biden signe un premier loi fédéral qui interdit lynchage, comme quoi exécution moun sous territoire. Il y a plus passé un siècle depuis une bataille qui a mené dans sans ça. Congrès a échoué 200 fois dans la bataille contre crime raciste saillot qui marquait en pile l'histoire les États-Unis. C'est seulement trois parlementaires qui votaient contre. C'est Thomas Massey qui est l'Inoïta Kentucky, Andrew Clyde, représentant Georgie, et Chip Roy qui sortit dans Texas. Cependant, trois députés saillot pas empêché Chambre représentant adopter loi fin février. Ensuite, tout sénateur a validé texte là. Président Biden signe 29 mars côté omité. Yon bout n'en plus passé 100 ans tentative pour mettre yon bout sous tout territoire non pratique raciste ça qui c'est tout yon barbarie qui était la cause 6500 moun perdit la vie. Pour président Biden, lynchage là c'était yon zak l'intérêt côté y a bail menti non fait comprendre tout moun pas de gain droit pour yo vivre aux États-Unis et qui te fait croire tout moun pas de gain même droit pour te capable faire comprendre loi relé émeute Till Until Lynching Act non mémoire yon adolescent afro-américain qui te relé émeute Till raciste te lynché dans état Mississippi dans l'année 1955 à cause de te semblé parler à qui en femme blanche alors qu'il était dans la rue. Madame, messieurs, journal La Boute, nous invitons à vous brancher Télépacifique pour cette programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.